Hey, salut à tous, Alex, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une ouverture de 5 nouveaux boosters des aventuriers ailés, donc les boosters qui viennent tout juste de sortir. Donc hier, j'ai déjà fait une ouverture de 5 boosters, vous pouvez aller sur la chaîne pour les visionner. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour 5 nouveaux boosters. Bon, c'est plaisir, hein, c'est les tout nouveaux, donc c'est mieux de déballer ces boosters-là. Allez, on est parti, sans plus attendre, on prend le premier booster. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas encore la série, on a 60 cartes dans la série, on a 27 cartes communes, 12 cartes rares, 10 cartes super rares et 6 cartes ultra rares et 5 cartes secrètes rares. Donc voilà, on va essayer de choper une de ces cartes, une petite secrète, ça ferait plaisir. Allez, on est parti pour le premier booster. Hop là. Alors, envoie-nous du lourd. Excusez-moi. Donc la série c'est composée spécialement de Red Raptor. Donc pour ceux qui ont des decks Red Raptor, bah, ils vont vraiment se faire plaisir hein, sur cette série là. Donc on est parti. Hop, le premier. Appel de lettres hantées. Ok, je savais pas que cette carte était rééditée dans cette série là. Ça fait plaisir. Alors le dernier Strix. Ok. Red Raptor réactivité. Red Raptor faucon révolutionnaire. Une petite XYZ qui fait plaisir. Alpha en super quantique, ok. Renfort de l'armée, double force de la perte magique, rang plus, ok. Je ne sais pas. Cible un monstre XY Raptor dans votre cimetière qui a été détruit au combat, ok. Ça marche. Donc la série c'est WIRA pour préciser. Et Red Raptor faucon canon satellite qui fait vraiment plaisir. Donc la 24, que je regarde, je dis pas de bêtises, que je suis sur le site en même temps, c'est mieux. Ok, ça fait plaisir cette carte-là. Donc une carte qui code quand même pas mal. Donc la choper son premier. Donc c'est une secrète rare. Donc moi qui voulais une petite secrète, bing, dès le début. Ah, ça envoie du lourd, ça fait plaisir. Je l'avais pas, donc cette carte, ça sera pas alléchant, là. Sauf si je la chope en double, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, ça fait plaisir. Deuxième booster. Elle des chevaliers fantômes. Red Raptor nu. Les chevaliers fantômes des gants en lock. Ok. Général Zubaba. Amaterasu. Donc deux cartes Général Zubaba et celle-là que j'avais déjà chopé hier. La grue aussi, pareil. Perle, chevalier, j'aime, pareil aussi. Bon, on n'a que 60 cartes dans la série, donc c'est normal d'avoir pas mal de doubles. Et la dernière. Dragon XYZ de la Révolution des Ténèbres. Donc ça fait plaisir cette carte-là, que j'avais déjà chopée, pas dans cette rareté-là, dans les Team Box. Impeccable. Et la dernière, Attaque d'Icar, que j'ai déjà en deux fois, donc elle sera à l'échange. Ah, la petite secrète rare, elle fait plaisir. Y a pas à dire. Hop là. Numéro 66, Maître Scarabée Clé. Red Raptor Nid. Les gants qu'on vient de choper juste avant. Hop. Nid des insectes piquants. Envoyez les 5 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ah d'accord, ok. Ça fait... ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Amateur d'addition encore. Grue toujours. Appel de la trentée. Les chevaliers fantômes du casque fondu, que j'avais déjà chopé. Et la dernière. Grand Magmur Roi Mecha Super Quantique. Ok, donc là j'ai quand même pas mal de chance. Pas mal de chance. Donc la 37. La 37 qui est une secrète rare aussi. Qui fait plaisir, elle cote quand même à 20€. Donc ça fait plaisir. Deuxième secrète. Ça va. Ça va. Tranquille. Ok. Ça m'étonne, mais bon. J'ai de la chance. Quatrième booster. Allez, on voit nous encore du rêve. Tant qu'à faire. Graal interdit. Gru. Ok. Chevalier anti-lumière. Très belle carte. Red Raptor, puis ok. Red Raptor, puis Grèche, volatilisé. Perle, chevalier, gemme. Nanistrique, ok. Nidhirondelle. La 57.
Je ne sais pas, la 57, non, elle ne vaut rien du tout, mais je ne l'avais pas, donc on complète la collection. Et Renaissance XYZ, la 60e, qui est la dernière carte, donc qui coûte quand même à 2€, donc pourquoi pas. Et le dernier booster. Ah là, je suis content, là, 105 boosters. Je sors de secrète, je vais pas dire je veux une troisième secrète, mais bon. Alors, Typhon d'espace mythique, Nid des insectes, Grue, Renfort de l'armée, ok, Épée méga super quantique, Les chevaliers fantômes du voile de l'ombre, Harpie, donc la 41, ok, une carte qui coûte à 2€. Ça peut être très belle par contre, très belle carte que je n'avais pas, donc ça fait plaisir. Et la dernière, Red Raptor, Sosie, Pigrish, donc la 21. La 21, qui cote aussi à 20€ et qui est une ultra rare. Donc voilà, donc là je sors 3 grosses cartes dans cette ouverture de 5 boosters. Ok, ça fait plaisir. Donc on va faire un petit récap quand même. Ah là j'ai le sourire, hein, c'est normal. Hop là. Donc pour les échanges, hein, il y aura des cartes à l'échanger, ce sera pas demain, mais après-demain, il y aura un trade que sur cette série de cartes-là, sur tous mes doubles, du coup. Et voilà. Donc, petit récap qui fait plaisir. Double force de la perte magique en plus. C'était la 27, ouais. Raptor Faucon Canon Satellite. Donc une carte qui envoie du pâté. Dragon XYZ de la Rébellion des Ténèbres. Attaque d'Icar. Les Chevaliers Fantômes du Casque Fondu. Grand Magnus Roi Mecha Super Quantique. Qui envoie du lourd aussi. Nidhirondelle. Renaissance XYZ. Raptor Sosie. Pigrièche. Poupoupou et Harpie. Celle-là, je ne l'ai pas regardé. Ouais, une petite carte qui cote à 3€. 2-3€, ça dépend des sites après. Donc voilà, donc super ouverture, rien à dire dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Sur ce, je vous laisse. Salut.